Salut tout le monde, c'est Azrox. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5 Online en 1.46 pour un tout nouveau glitch d'argent sur ma chaîne YouTube. Donc pour ce glitch d'argent, ça va être le quatrième after patch sur ce glitch, donc c'est vraiment énorme. Je compte sur vous pour qu'on atteigne les 100 likes sur cette vidéo et que vous mettez mon code créateur qui se trouve en description sur Fortnite. Donc pour commencer ce glitch, pour ceux qui ne savent pas le début, je vais quand même leur expliquer. Vous allez devoir prendre un véhicule à dupliquer qui se trouve dans votre centre d'opération, accélérer et le placer au même endroit que moi dans votre bunker. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sortir de votre bunker, soit appeler un hélico avec SecuroServe, soit vous faites le glitch de téléportation. Moi je vous conseille de faire avec SecuroServe pour pas que vous ayez des problèmes avec le glitch de téléportation ou des trucs comme ça. Donc là vous prenez l'hélico et vous vous emmenez à la boîte de nuit. Une fois arrivé à la boîte de nuit, ça va être vraiment très simple, il n'y a presque aucune manipulation à faire. Vous faites juste rejoindre un ami, rejoindre la session d'un ami, et n'importe quel ami ou même quelqu'un que vous connaissez pas, il faut juste qu'il soit pas en même mode de visée que vous. Donc là vous allez accepter le premier message et refuser le deuxième message. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire flèche de droite et acheter la champagne à 30 000 $. Donc là il n'y a vraiment aucune manipulation, mais si vous faites pas le truc juste avant de faire flèche de droite, bah ça va pas marcher. Donc là la serveuse va poser la bouteille, là vous faites strictement rien, et là quand votre personnage va prendre la bouteille comme moi, là vous allez faire start en ligne et vous allez aller dans le pack d'entrée dans le monde criminel. Vous allez naviguer un peu dessus puis faire retour pour lancer une activité. Donc vous allez aller dans activité créée par Rockstar et vous allez lancer par exemple une mission un travail de titan. Donc jouer créé par Rockstar et vous allez aller dans mission et lancer un travail de titan. Donc là vous allez avoir un message, un premier message que vous allez confirmer, donc valider, et un deuxième message que vous allez valider, c'est une alerte. Donc vous allez voir votre écran freeze et pour vous débugger, vous faites flèche du bas longtemps et vous vous mettez sur un personnage du mode histoire. Ça va vous mettre est-ce que vous voulez vraiment aller en mode histoire, et là vous allez refuser le message. Donc là du coup ça va vous débugger avec la bouteille à la main. Vous avez réussi la manipulation. Vous allez vous rendre à votre entrée de votre boîte de nuit au niveau des garages. Il y aura une Elegy RH8 non customisé, donc le véhicule que vous allez perdre et la duplication se trouvera exactement là. Donc si vous allez revendre votre duplication, elle se trouvera à la place de cette Elegy RH8, la duplication sera là. Donc là vous prenez l'Elegy RH8 et vous accélérez, ça va vous faire sortir à pied. Après voilà, vous connaissez le glitch pour ceux qui l'ont déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne YouTube. Je le réexplique juste pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Il y a vraiment juste la version au niveau de la serveuse où personne connaît, où la plupart des gens ne connaissent pas parce que c'est une méthode qui est sortie juste hier. Donc voilà, après vous allez vous rendre à votre bunker, le véhicule il sera toujours là, donc c'est vraiment énorme qu'il y a autant d'afterpatch sur un glitch, c'est assez rare je trouve. Donc là vous allez le mettre au niveau du tuyau et vous rendre à pied dans votre centre d'opération mobile pour éviter que ça vous fasse un écran noir infini si vous rentrez directement avec votre véhicule. Donc vous rentrez à pied et vous ressortez par la porte à l'opposé du centre d'opération pour ensuite reprendre le véhicule, le rentrer. Ça va vous mettre que le centre d'opération est plein, vous validez le message, ça va rentrer et puis vous avez réussi votre duplication. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, et puis bye tout le monde.